Bonjour, dans cette vidéo, on va apprendre comment on crée les menus dans WordPress, d'accord? Donc pour cela, la première chose, on doit mettre localhost slash WordPress WT, WP, WordPress-admin, d'accord? Je clique sur Entrée. Je dois taper l'identifiant, donc mon identifiant, le compte qu'on a créé au début, et le mot de passe. Alors, se souvenir de se connecter. Donc pour vérifier le site, donc aller au site. C'est notre site, hein. Initialement il est vide. On va commencer. L'autre fois on a créé les pages, hein. D'accord. Donc maintenant on va commencer à créer le menu. Pour cela, il faut aller à Apparence, Menu. On l'appelle par exemple menu 1, créer le menu. Maintenant, on va choisir les pages qu'on va mettre. Donc, au début, on va commencer par l'accueil, bien sûr. Ajouter au menu, on va s'afficher ici. Après, il y aura les restaurants. Plutôt restaurant, chambre de suite, on va choisir spa, réunion et à la fin contact et ajouter au menu. Après, on peut établir l'ordre ici. Donc, on voit ici, la deuxième chose, ça va être chambre et suite. Contact à la fin, c'est pas ce qu'on dit ici, donc je mets ici à la fin, le spa, les restaurants. Donc c'est primary ici, c'est un footer en bas. Donc on va ajouter les pages donc directement et enregistrer le menu. Après on doit vérifier au niveau du site, on doit actualiser avec un F5 ou entrée, d'accord. Comme vous voyez ici, on trouve les pages. Le menu qu'on vient de créer, par exemple, je peux cliquer ici sur chambre et suite. Comme vous voyez, initialement, c'est vide. Hein, restaurant, réunion, spa. C'est de suite. Merci pour votre attention.